Les accidents nous guettent à tous les coins. Et un chantier regorge de ces coins. La prudence est de mise, en particulier sur un chantier. Dans un tel endroit, chaque détail compte. Quelques conseils utiles peuvent faire avancer les choses. Je vous donne ces conseils en tant que coordinatrice de la sécurité. En effet, la sécurité est une affaire qui nous concerne tous. Aujourd'hui, les ouvriers de chantier et demain, les habitants de cette maison. La sécurité n'est pas le fruit du hasard. Vous pouvez y contribuer vous-même en prenant les bonnes décisions lors du choix des méthodes de travail et des matériaux adéquats. Même à la maison, un accident est vite arrivé. Surtout lorsque l'on vieillit et que l'on n'est plus aussi stable sur ses pieds. Comme ma mère qui va venir habiter chez moi. Je minimise les risques en posant de la moquette. Sur de la moquette, on ne glisse pas aussi facilement que sur des revêtements de sol plus durs. Grâce à cela, j'espère que ma mère se portera bien plus longtemps. La moquette est plus sûre tant pour les jeunes que pour les aînés. Je préfère que mes enfants jouent sur de la moquette douce plutôt que sur un sol dur. Une maison ne devient un foyer que lorsque l'on s'y sent en sécurité. Et si un accident survient néanmoins, une chute sur de la moquette sera mieux amortie. Je ne dois plus m'inquiéter de la sécurité, car je sais qu'en tombant sur de la moquette, ma mère risque moins d'avoir une fracture.